Salut les gamers et les gameuses, ici Dafos92, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode du Let's Play sur Assassin's Creed Unity sur PS4. Donc, le passé n'est pas perdu. Le passé vit en nous. Les expériences de nos ancêtres sont encodés dans les hélices de notre ADN. Après 3 décennies de recherche, nos ingénieurs ont façonné la meilleure des interfaces biotechnologiques. Nous avons débloqué les vies de nos aïeux. Nous avons ouvert une fenêtre sur le passé. Pour un divertissement en immersion totale. En pressant un simple bouton, vous vivrez les moments les plus précieux de l'histoire humaine. Depuis le confort de votre domicile. Bienvenue dans Helix. Où le passé devient votre terrain de jeu. Donc c'est parti pour la tragédie de Jacques de Molay. C'est la, on va dire, la première mission. Jacques de Molay était le dernier membre de l'ordre héroïque des Chevaliers du Temple. Un homme un de templier. Principe et un esprit brillant dont la confiance fut trahie. Dans cet épisode de Héros déchu, découvrez les dernières heures tragiques de Jacques de Molay. À travers le regard de l'un de ses plus proches amis et conseillers. Oui, c'est parti. Les temps de chargement sont un peu longs, comme on peut voir. Mais faut dire qu'il y a du graphisme à mettre en place. Toc, y a quelqu'un. Qui va là? Un ami du temple. Floirac? Le message du conseil était formel. Tu n'es pas le bienvenu ici. Je dois parler au grand maître. Il est en séance, avec les autres. Une autre fois, peut-être. Le roi Philippe désapprouve. Va au diable. Demande bien pourquoi tu ne pourris pas au fond d'un cachot. Nous avons été trahis. À vos épées, messieurs. Défendez le temple. Pas toi, mon frère. J'ai une autre tâche à te confier. Viens avec moi. À l'atmosphère des Templiers, entrée de base de données des Jacques de Molay. Je vais vous les mettre, les bases de données. Il faudrait qu'à mettre pause pour les lire. Donc Jacques de Molay.
Hop, on reprend le jeu. Quelqu'un d'autre, le pape. Le pape ? Les assassins. Les assassins ? Ça fait des décennies que les canons mongols ont sapé leur pouvoir. Les assassins existaient bien avant Massia. Leurs illusions anarchiques sont aussi virulentes que la peste. Et encore plus tenaces. Nous ne triompherons pas ce soir, mais si tu te hâtes, notre ordre peut être sauvé. Que dois-je faire ? Rends-toi à la tour, prends l'épée et le livre, cache-les. Ils ne doivent pas tomber entre les mains des assassins. Grand maître, je... Va ! Donc là, si on comprend bien, les assassins étaient les ennemis humains des Templiers. Abaissez-le pour le vide ! Abaissez-le ! Bon sang ! Je dois trouver un autre chemin. On est parti. Il n'y a rien à prendre. Je connais des cul-de-sac qui courent beaucoup plus vite. Assassin. Arrêtez-le ! Empêchez-le de passer ! La tour ! Ils sont entrés dans la tour ! Ils sont pris ! Allez. Pourchassons l'assassin. Je suis plus fort que toi. Tiens, le taser.
Il fallait l'imaginer ça, une épée qui fait taser en même temps. Clément, entends-moi. Avant que l'année ne soit écoulée, tu répondras de tes crimes devant le Seigneur Tout-Puissant. Et toi, roi Philippe, même le plus abominable des châtiments ne saurait effacer les maux que tu as infligés au Temple. Je vous maudis. Soyez maudits jusqu'à la 13e génération de votre sang. Soyez tous damnés. Ainsi prit fin l'ère de la sagesse, consumée par les flammes de la faim et de la colère. Les chevaliers du temple, les fiers gardiens de la paix, le jeu par lui-même, graphiquement, il est impressionnant. grâce au moteur de calcul de la PS4. On va lancer un mouchard. Au moindre signe d'Abstergo, sors-moi de là. C'est bon. J'ai un visuel. Hey, salut. Tu dois trouver ça déstabilisant, alors écoute bien. Je m'appelle Bishop. Bon, c'est pas mon vrai nom, mais t'as pas besoin d'en savoir plus. Écoute bien ce que je vais te dire. Abstergo se sert de toi. Il pirate tes neurones dans le but de fouiller des mémoires génétiques. Cette organisation a déjà pris le contrôle d'un grand nombre de sociétés, des gouvernements, des médias et des ONG. Mais maintenant, ils ont décidé de s'approprier l'histoire. C'est vraiment flippant, je sais. Mais notre mission est de les arrêter, et on a besoin de ton aide. Digone, charge la séquence génétique AD16, B13, I87. Je te prépare ça. La semaine dernière, on a piraté une banque de mémoire non séquencée sur les serveurs Elix d'Abstergo. Pour le moment, on aimerait te faire explorer une partie de la ville, que tu comprennes un peu mieux le combat qu'on mène. Après ça, tu pourras choisir pour quel camp tu veux te battre. C'est à toi de voir. Et c'est parti pour une autre époque. Après les Templiers, c'est... semble Versailles. On a le temps de faire plein de choses là, pendant les temps de chargement, n'empêche. Versailles, 27 décembre 1776. Arnaud. Ne puis-je pas venir avec vous, père ? Courage, mon garçon. Tu vas m'attendre ici. Et je reviendrai quand cette aiguille sera en haut. Ce sera très long. Moins long que tu Donc en fait, dans le coffret collector où il y a une montre, c'est celle de Arnaud, en fait. Pas d'exploration, compris ? Oui, père. Va-t-il rester assis sagement? Là est la question. Ah. Voilà. Comme tout à l'heure, faites pause, hein.
sûr. Il ne pouvait pas rester assis tranquillement. Je suis désolé. J'arrive. Hein. Ah, on va dans les fourrés. Je rigole. Je parie que tu n'oses pas en voler une. Leur mission, voler une pomme. Voleur, remets ça en place. Ok. Mais tu le sens qu'on réserve aux voleurs ? Repose ça tout de suite! Se cache. Ah, je te tiens. Par l'enfer. Que s'est-il passé? Faut j'attende. Il va me voir. Arrête-toi tout de suite. Voilà. Et je t'esquive. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour une j'ai fille, hein, n'empêche. Quand on a volé ses pommes. Je m'appelle Armie. Élise. Je suis venue avec mon père. Moi aussi. Il a une affaire importante avec le roi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Chut. Écoute. Ne t'en fais pas, ils ne penseront jamais à nous chercher ici. C'est de ma faute. C'est moi qui ai pris ses pommes. Viens, on va que voir s'est-il où ils passé vont. J'espère que cette affaire ne ternira pas l'image que vous faites de notre pays. Comme on peut voir graphiquement, Versailles est assez bien modélisé. Bon, reprenons le cours du jeu. Élise. Père. Viens ici, tout de suite. Père. Et c'est cet attroupement, ça annonce rien de bien. Son père est mort. Que va-t-il devenir ? Arnaud, regarde-moi. Ah là là. Je crois que pendant les temps de chargement, on a le temps de, je sais pas, de se faire un café, de regarder un film, peut-être. Nous sommes dans le quartier. Gagner sans tricher, alors il faut que tu voles, maudit chien!
Du calme, Victor, je suis juste venu pour ma montre. C'est ma montre, je l'ai gagnée à l'honnête. Quel serait ton avis si on vivait dans un monde honnête, Victor, mais ce n'est pas le cas. On est en France. Je vais te tuer. Oh, fais attention à toi, tu vas te faire mal. Aïe. J'ai mal pour lui. J'étais justement en train de discuter avec ton frère. Hugo, va chercher la marée chaussée. Eh, pas si vite. Diable. Je le tiens, Victor. Il ne mettra pas la main dessus. Oh, qu'est-ce que... Pardon. Ah mince, c'est pas ça que je voulais faire. Je me suis trouvé touche. Tu vas mourir. Ah merde. Inutile de fuir. Ah, j'ai fail. Putain, je suis obligé de recommencer. Donc c'est rond, pas X. Passer par la fenêtre. Je le tiens, Victor. Oui, on est reparti. Qu'est-ce que... Pardon. Pardon, madame. Hors de mon chemin. Laissez-moi passer. Allons, messieurs. Nous trouvons bien un moyen de nous entendre. Pardonnez-lui, il n'est pas civilisé. Ah, petit au sol. Allez, les plaques. Pour bloquer. C'est fait. Un crétin de forgeron dans ton genre ne sait même pas lire l'heure. Répète un peu si tu l'oses. Si, moi je répète, non. Tu sais pas lire l'heure. Reviens par ici. Au voleur, emparez-vous de lui. Je vais décrire le flanc d'aujourd'hui. Très bien, je vois. Un homme sage sait reconnaître qu'il a perdu, Victor. Ce qui est bien avec les bases de données, ça apprend à peu près ce qu'il y a à savoir sur les personnages. Donc voilà. Ce que j'ai pas pu vous montrer tout à l'heure. Je fasse encore un passage au-dessus. Un objet. Par quoi je peux sauter? Pour une table ou un truc. Fenêtre par exemple, et voilà, j'ai fait ce petit défi. Maintenant il faut que je rentre chez moi. Voilà. Tu n'es pas autorisé à passer ici, citoyen. Alors, on va passer. D'y aller. En fait,
fait, les assassins, ce sont les singes. Ils grimpent partout. Ou des acrobates, c'est comme on veut. Est-ce que je peux y aller au moins? Tout en haut pour synchroniser la synchronisons. Alors on voit le château de Versailles au fond. Donc on a synchronisé. Et donc il y a un coffre là. Là pour moi je peux pas faire le saut de l'ange parce qu'il n'y a pas de foin. Où est mon chariot de foin? Oui, il descend. Enfin, on se demande que fait un coffre sur le toit d'une église. Qui a bien pu penser à ça? Ok, un objet collecté, c'est fait. Toujours la vision d'aigle pour repérer les ennemis. Voilà, on est arrivé. Pour l'amour de Dieu, mais où donc était-il ? Je sais pas, je crains un peu aux arbres. Ah ! On tient enfin, espèce de salin ! Ce n'est qu'un léger malentendu. Il n'y a pas. Est-ce que votre maître sait qu'il héberge un brigand ? Il est entré chez moi en plein jour, et il m'a volé ma montre. Oh, vraiment? Eh bien, je suis sûr que la maréchaussée sera ravie d'éclaircir cette affaire. Quelle affaire, Olivier? Une accusation très grave contre votre pupille, messire. Il m'a volé! Et qu'a-t-il pu te prendre? Attends-moi dans la bibliothèque. Ne me regarde pas comme ça. Victor triche quand il joue au pharaon, tout le monde le sait. Arnaud, à qui parles-tu? Tout seul, il vient un peu Tu seras ravi d'apprendre que j'ai convaincu Olivier de ne pas appeler la maréchaussée. Une nouvelle fois. Je vous remercie, monsieur. C'était quoi? La sixième fois? La septième? Il serait préférable de changer de passe-temps. Mais jouer aux cartes me donne l'occasion de prendre l'air et de faire de l'exercice.
Nous en reparlerons plus tard. J'ai affaire en ville et je dois aller chercher Elise avant de partir. Elise est ici ? Seulement pour cette nuit. Son amour d'enfance. On retourne à Paris demain matin. Il lui faudra une escorte, c'est certain, et vous avez fort à faire. Je n'ai pas envie que tu lui donnes de mauvaises idées. Reste ici et vois si Olivier a besoin de toi. Le contraire m'étonnerait. Plaît-il ? Présentez mes hommages à Elise. Donc voilà, la première mission est terminée. Je vous dis plus pour un second épisode sur Assassin's Creed. Et je vous fais bye bye. Et bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.